Alors bonjour à tous. De temps en temps, le matin, il faut un peu travailler. Et là, il y a le. Saint-Pierre, ok. Et là, il y a le monsieur. On part demain à Copipi. Qu'on a fait un aller-retour. Donc, on reste une nuit là-bas. Et voilà, ça, c'est le matin. On peut aller booker ses bateaux, quoi. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. 4, 3, 2... Là, vous venez de voir une dame là. Donc, j'étais en train de faire des photos de l'ancien roi qui est décédé. Et alors, elle me disait, écoutez, en anglais, franchement, elle parlait plus ou moins bien anglais. Elle a dit, écoutez, regardez, là, il avait 18 ans. Donc, elle m'a montré la photo. Et alors, moi, je parlais là-dessus. Donc, je leur disais que j'avais vu à la télé l'enterrement du roi. Et que c'était vraiment émouvant parce que tout le peuple était à genoux. Alors, ici, j'ai reçu de l'eau. Alors, je lui demandais combien c'était. Elle ne veut pas être filmée. Elle veut me donner à manger. Elle voulait me donner à manger. Et vraiment, c'est vraiment des mouvements, des moments où ça fait plaisir, quoi, franchement. Et là, au fait, on est vraiment tout près, quoi. Belgique et tout, France, Netherlands, Malte. Vraiment, vraiment chouette, quoi. Alors là, on va monter. J'ai reçu de l'eau. J'ai reçu une petite bouteille d'eau. Et en plus, c'est l'eau que j'aime bien, Nestlé. Donc, je l'ai reçue. Et comment te dire, j'ai demandé combien c'était. Elle a dit non, it's free. Donc, elle me l'a donné gratuitement. Très gentille, la dame. Très gentille. Je voulais donner quelque chose, elle voulait rien. Donc, c'est à Krabi. Non, c'est pas à Krabi. C'est à Hanoi. C'est là où j'ai été au Guyain Buddhism Mountain. Ben c'est tout près, quoi. C'est, je pense que c'est assez connu. Vous le voyez même de loin. Et je l'avais vu de loin quand on allait vers notre hôtel. Alors, c'est juste sur la grande route là. Vous prenez une petite rue là où il y a la montagne. Enfin, bref, c'est assez facile. C'est une route principale. Et alors là, on va monter les escaliers. Je sais pas combien il y en a, mais ils sont raides. Hein. Le taille n'a pas fait le truc dans la facilité, on dirait. Eh bien, ça fait réchauffer les muscles de hier du Tiger Temple. Donc ici, on est déjà au premier étage. Vous avez toujours ces vues là montagneuses qui sont très 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 jolies, quoi. On va continuer. On est seulement au premier truc. Mais ce matin il faisait un peu brumeux. Enfin brumeux, c'est peut-être un grand mot. C'est beau. Regardez en haut, c'est là où j'ai envie d'y aller. Vous voyez, c'est tout en haut là. Là. Donc il y a encore quelques marches, mais c'est pas aussi dur qu'hier, quoi. Je vais enlever ma casquette, comme ça mon crâne bronze un peu. Alors, je suis bien arrivé tout en haut. Pas trop dur. Allez, un petit 10 minutes. Ouais, 10 minutes, quoi. Je sais pas si vous voyez ça. Peut-être c'est dur à voir sur la caméra. Mais très beau. Une belle rencontre avec la dame, là. On parlait un peu du roi. Elle voulait même donner à manger gratuitement. Chapeau, quoi. Enfin, chapeau. Moi, j'adore ce peuple. Il n'y a rien à dire.
Là, je vais commencer la descente. Ben, les escaliers sont toujours raides. Ben ouais, s'ils sont raides au début, ils vont pas changer, quoi. Mais, vous voyez, j'ai quand même toujours des bonnes chaussures. Il y en a des qui font ça en tonk. Ok, peut-être ils ont l'habitude. Mais en tonk, c'est pas aussi stable. Enfin, vous n'avez pas une bonne grippe. Tandis que c'est des bonnes chaussures, vous avez quand même une bonne grippe sur les marches. Quoique, je suis déjà tombé, hein, ça vous savez. Hein, donc, je suis tombé dans l'eau, là, avec les couteaux et les coquillages, où ça m'a solidement bien coupé. Et ensuite, c'était avec un waterfall, là, où j'étais un peu trop près. J'ai fait une chute de 3 mètres. Mais bon, ça, c'est des petits accidents, ouais. Je vais pas dire domestique, mais bon. Mais ici, la blessure, elle ne serait pas complètement. Bon, ça ne saigne plus ni rien, quoi. Il faudrait un peu attendre. Mais sinon, belle petite descente, si vous faites ça à votre aise. Et j'ai encore 3/4 de l'eau, là, donc... bon, j'ai reçu de l'eau, mais elle était chaude, quoi. Enfin, pas chaude, mais elle était pas froide, quoi. Mais bon, déjà, le geste, j'apprécie, quoi. Même que ça aurait été de l'eau bouillante, quoi. Moi, ça m'a fait super plaisir que j'ai reçu de l'eau. Et ensuite, je vous dis, hein, elle était en train de manger, je l'ai filmée, mais elle voulait pas. Je présume que c'était ça, sa maman, à côté. Elle voulait pas et mais elle me proposait à manger, quoi. J'étais un peu ému. J'étais un peu ému de leur gentillesse, franchement, ça me choque toujours, quoi. Faut savoir aussi, putain, j'ai toujours ce chat dans la gauche. Faut savoir aussi que Krabi est fort musulman. Je pense même que c'est plus musulman que bouddhiste, donc vous voyez énormément de mosquées. Donc je pense que c'est assez clair, hein, comme quoi il y a bien marqué pas de drone. Et là vous voyez même un peu un modèle qu'ils ont pris, le fantôme. Pas de drone et je trouve que la montre n'est pas trop. Enfin c'est juste ici au-dessus du site, la montre est de 1000 bahts, donc ça va, quoi. Enfin ça va. Vous pouvez pas le faire, quoi. Alors me demandez pas où je suis. J'ai vu un truc un peu touristique là en moto. Je me dis, tiens, je vais une fois m'arrêter. Et une fois que vous voyez toutes ces shops comme ça, où j'ai même acheté une petite watermelon là, chinoise ou ouais. Une fois que vous voyez ça, c'est que vous êtes sur un truc touristique, mais je sais pas quoi. Je crois que c'est un truc de fossile parce qu'il y a tous des coquillages. Les coquillages, là, ils me connaissent, hein. C'est avec ces trucs-là que je me suis coupé ici, hein. Hello. Hello. Hey, good. Good, good, good. Thank you. Looking, hein. Yeah. You are the school. I pity Kirby. You come from? Ah. I pity Kirby. YouTube. Okay, guys. Bye bye. Bye bye. Et si vous voyez un peu. Les prix est là-bas, foreign, ça veut dire touriste, quoi, touriste étranger. Et donc les prix n'ont pas changé, donc toujours adulte, vous êtes dans le National Park. Et au fait, comme j'ai pu un peu comprendre en regardant ce panneau, c'est que c'est un site avec fossiles, quoi, hein. Donc là vous voyez vraiment les fossiles, quoi. Donc il y a beaucoup à marcher, là ils disent aussi, voilà, comme quoi c'est la grandeur. Personnellement, ça m'intéresse pas, je le dis franchement, ça m'intéresse pas de voir un truc comme ça. Ça c'est des vues que j'adore, vraiment plein de nature. Et je m'en lasse pas, je vous le dis franchement, je m'en lasse pas. Comme vous pouvez le constater aussi, il y a énormément de mosquées. Donc, comme je vous ai dit, c'est un coin vraiment... Ça, c'est le nouveau tuk-tuk, là. Un peu... Ouais, c'est pas les mêmes que dans les autres pays, là. Enfin, pas dans le pays, dans les autres villes, plutôt. Et là, ça, c'est les fameuses vieilles pompes, là, hein, qui fonctionnent. Vous voulez mettre des billets dedans. Mais nous, quand on mettait un nouveau billet du roi, ben, ça fonctionnait pas, hein. Ils captaient pas que c'était un nouveau billet, quoi. Donc ça, c'est une vieille pompe à essence. Allez, on continue la balade. Là, je vais essayer de rouler avec une main, pas évident.
pas évident. En plus, j'aime pas te faire ça. Mais vous voyez, je crois que c'est des buffles là. Ah, elles sont tout mouillées, ils ont été dans l'eau là où on dirait. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait lui, avance. Ah ouais, ils ont été dans la boue là. Hé hey, les filles, vous avez fait un bain de boue? Hein? Vous avez fait un bain de boue? Voilà. Faut toujours faire gaffe parce que si ça te cherche le truc. Pas évident encore. Ouh là 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 là. Ouais, je vais arrêter, je pense. Un truc que j'aime aussi bien de faire de temps en temps, c'est m'arrêter à une école. Hello! Ils sont tous en uniforme, c'est beau. You speak English? Sorry. You don't speak English? Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Bye bye. Bye bye. Bye. Vous savez que je fais beaucoup de hôtels. Beaucoup de hôtels. Des guestos, des trucs comme ça. Et c'est pas du vol. C'est pas du vol. Mais je prends toujours tous les savons. Toutes les petits trucs qu'ils donnent là, je prends tout, ketchup, mayonnaise, quand on va manger quelque part qui nous donne ça, je donne tout, pourquoi? Pour ensuite donner à une famille pauvre ou une famille qui a un peu plus le besoin, et justement sur la route je vois le baraquement là, je pense, et j'ai vu des enfants, donc j'ai vu qu'il y a 4 enfants là, et j'aime bien de donner des choses quand il y a aussi des enfants quoi, donc voilà, ça c'est de nouveau mon truc. Et alors, c'est un gros sachet quand même, hein, parce que bon, d'hôtel en hôtel, on y va, et voilà quoi, c'est un gros sachet, voilà, c'est ça ici, hein, donc le gros sachet avec tous les ketchup, des shower machin, du shampoing. Ça va, Dicap? Salam alaikum, non? It's all your babies? Baby? No baby! Ah! Je vais donner alors, hein, voilà, je peux pas me filmer tout seul parce que là je suis tout seul. Voilà, j'ai fait ma bonne action. Ils sont en train de regarder. J'ai fait ma bonne petite action et voilà, j'aime bien, voilà. Bah, je suis content, ils sont aussi contents. On a échangé 2-3 petits mots, j'ai pas su mettre la caméra juste au début, mais après, par respect, j'aime bien de couper la caméra quoi. Mais même un petit étang est beau ici. Faut pas spécialement une mer. Alors là, il y a un vieux baraquement aussi. J'ai vu même un enfant là aussi. J'aurais pu aussi donner le sec, mais bon, on peut pas tout le temps donner partout. Vous voyez la misère, il y en a partout. Hein.